toujours beaucoup de femmes avec ou sans enfants à la rue. Pour les hommes, rien ne change. Ils sont toujours laissés à eux-mêmes à la rue. Et globalement, on assiste à une augmentation des gens qui sont en demande. Derrière, il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc les hommes seuls ont passé l'hiver à la rue complètement. Il n'y a pas eu de solution en gymnase, par exemple, qui ont été proposées. Et actuellement, les réseaux sont en train de se remettre en route. Donc on assiste à nouveau à une arrivée plus ou moins massive, en fait, de familles migrantes, voilà, qui demandent l'asile. Amici Samu Social est une association 100% bénévole qui tourne tous les jours de l'année, qui fait de l'aller vers en lien avec le 115 et différents partenaires associatifs et institutionnels. Et nous faisons de l'aller vers auprès de personnes exclusivement à la rue. Aujourd'hui, c'est un moment de sensibilisation au sans-abrisme. On fête les 30 ans de l'association et du coup, on a souhaité créer ce moment, en fait, plutôt que de faire une fête dans une salle. Voilà, on a ouvert l'événement à tous les gens, surtout aux Grenoblois, pour qu'ils réalisent que l'indifférence tue tous les jours. Quand les gens voient des SDF dans la rue, il faut que l'indifférence s'arrête. Et il faut quand même essayer que ces gens se sentent normaux, en fait, dans les relations qu'ils ont avec les autres. Parce que quand on est à la rue, bien souvent, on est justement dans l'indifférence. Il y a énormément de gens qui passent, mais il n'y a personne qui vous regarde.